Bonjour à tous et bienvenue. Devant la situation critique traversée par de nombreux clubs à travers le monde, de plus en plus de fans se regroupent et tentent de sauver ce qu'ils peuvent être de leur club adoré. Exaspérés par une gestion inique, inquiets vis-à-vis des problèmes financiers, ces supporters essayent de collecter le plus de fonds possible afin, pourquoi pas, un jour de caresser leur rêve, celui d'être propriétaire officiellement de leur équipe adorée. Alors ça, c'est un peu le projet Socios, comme on peut le voir au Brésil, en Espagne, sauf que selon les pays et les nations, il y a un contexte différent, des statuts particuliers et également des lois qui diffèrent. Donc aujourd'hui, on va pas parler de tous ces exemples historiques, on va simplement se concentrer sur les dernières années et notamment dans la sphère francophone, parce qu'il y a de plus en plus d'exemples. On a vu des possibilités, on en parlait à Nantes, on en parlait à Saint-Etienne, mais on a vu dans la réalisation des cas, en France notamment, ce qui s'est passé à Bastia, qui avait malheureusement coulé, qui est encore revenu d'entre les morts, et aujourd'hui, 20% de l'actionnariat appartient aux fans. L'an dernier, miné par une situation absolument apocalyptique, tout proche du dépôt de bilan, on a eu également l'opération à Sochaux, avec Socios, si je ne dis pas de bêtises, qui a collecté quand même des fonds très importants, je ne dis pas de bêtises, à peu près 770 000 euros. Et là, récemment, on a les projets à Nîmes ou à Rouen, donc on voit souvent des clubs de division inférieure, mais ce serpent de mer, cette idée du projet Socios, eh ben on a entendu parler un jour pour Marseille, pour Saint-Etienne, pour Nantes, pour Lens, enfin bref, pour des clubs populaires historiques du football français. Ce qui se passe évidemment en France peut toucher aussi la Suisse et la Belgique. On se rappelle qu'en Suisse, il y a eu des collectes de fonds, notamment à l'époque du Servette, quand c'était il y a une décennie, ça allait très très mal, afin de sauver ce qui était possible. Pareil dans le Maghreb, où la JS Kabylie, en Algérie, doit souvent quand même son salut à des fans ou des membres qui ont signé des chèques afin justement de pouvoir régler certaines dettes. Pareil en Tunisie, avec le club africain, et j'imagine qu'au Maroc, on aura des situations similaires. En Belgique, comme je le disais, devant l'énigmatique 777, ce propriétaire américain dont on a parlé depuis très longtemps et qu'on avait averti sur la chaîne des potentiels risques de ses multiples achats à travers le monde, aujourd'hui avec l'incertitude de 777, quid des fans du Standard, un autre club populaire et historique d'un pays de football. Bien évidemment, se pose une question. Dans ce football moderne, de plus en plus attiré par les fonds d'investissement et une course à l'argent effrénée, est-ce que des supporters peuvent-ils réellement détenir leur club de football? Les exemples montrent qu'en effet c'est possible, mais on va tout de suite remarquer que ça dépend des réalités financières. Globalement, je le répète, cette vidéo n'a pas pour but de parler de l'Espagne qui est un cas vraiment particulier. On va notamment évoquer la sphère francophone, mais également britannique, parce qu'on peut faire quelques comparaisons. Rappelez-vous, il y a une quinzaine d'années, vous avez dû voir que énormément de clubs sont tombés en faillite, en administration également, comme on dit au Royaume-Uni, principalement en Écosse et dans les divisions inférieures anglaises. Pourquoi? Parce que souvent il y avait des gestions dispendieuses, les clubs dépensaient un argent qu'ils n'avaient pas, mais comptaient à chaque fois sur une vente de joueurs ou à chaque fois aussi sur un contrat de droit TV mirifique. Et c'est un peu ce que ces clubs avaient signé avec un diffuseur irlandais qui s'appelait Setanta Sports en Écosse et en division inférieure anglaise, sauf que base diffuseur, il s'est pété la gueule. Ce qui a quasiment foutu le foot écossais dans l'ornière, et pareil pour plein de clubs de division inférieure en Angleterre. Et donc, il devait énormément d'argent au fisc, principalement, et les fans collectaient, afin de sauver ce qui était possible. C'est pour ça qu'on a eu plein de rachats folkloriques, et dans le même temps, on a vu l'apparition des Phoenix Clubs, c'est-à-dire ces clubs qui sont descendus, qui sont peut-être connus maintenant sous d'autres noms, mais qui ont été repris par des fans. Bien évidemment, dans toute cette razzia de problèmes financiers avec des rachats en veux-tu en voilà entre escrocs, margoulins et personnes recherchées, il y a un exemple qui était clair, c'était celui de Portsmouth, qui est un club quand même qui était en première ligue, qui est connu, Fratton Park, enfin, c'est un sacré club de football qui a été détenu par ses fans, qui d'ailleurs ces dernières années ont finalement revendu cela à un autre investisseur. Mais ça avait été, on va dire, la plus grande expérience possible de fans qui étaient au chevet de leur club. Mais des exemples en division inférieure anglaise, il y en a plein. Les Darlington, les Fisher, les Chester, les Worcester, enfin bref, je pourrais vous en citer, Rushton and Diamonds, je pourrais vous en citer plein de divisions inférieures, puisque je rappelle que même en 5e division anglaise, la National League, comme on l'appelle aujourd'hui, à l'époque c'était la conférence, tu avais un match diffusé par semaine à la télé, ce qui est un monde complètement différent. Donc de fait, les revenus d'argent attiraient des investisseurs et les fans avaient un rôle prépondérant, ont d'ailleurs toujours un rôle prépondérant. Aujourd'hui, on voit Wrexham, la série, tout ce que vous voulez, remonte en 3e division anglaise. Mais à l'époque, Wrexham, il y a 10-15 ans, c'est les fans qui ont tenu le club. Sans ça, les dragons du Pays de Galles, ils coulaient. Donc de fait, inspiré par Smell, tu te dis que c'est possible. Et en Écosse, ces dernières années, on a vu d'autres achats et de clubs importants. Aujourd'hui, le club le plus important détenu par ses fans au Royaume-Uni, il n'est pas en Angleterre. Il est en Écosse. Heart of Midlothian, les Mauves d'Édimbourg, les Jumbos de l'excellent Lawrence Shankland, joueur de l'année en Écosse, cet attaquant bien fessu. Évidemment avec Anne Butch qui était l'ancienne propriétaire qui il y a quelques années a revendu ses parts à la Foundation of Arts. Il y a une belle transition qui a été réalisée, ça a nécessité du temps. Arts est un club évidemment populaire, hein, comme les deux clubs d'Edimbourg, Hibernian et Arts, qui jouent à Tynecastle, un stade magnifique, vétuste. Ils font quand même le complet et ça a été un véritable effort. Et honnêtement aujourd'hui,
C'est ce qu'on va dire le plus gros club en termes d'adhérents, en termes de tout ce que vous voulez, et ça a marché. On a également eu Motherwell, Saint-Mirren, donc des clubs de première division écossaise. Sauf qu'à Motherwell, bah, ça rappelle Portsmouth. En fait, les fans voient qu'ils sont rapidement limités, etc. Parce qu'on est déjà sur une base beaucoup plus petite. Motherwell, c'est pas très loin de Glasgow. Il y a une concurrence absolument effrénée dans le coin. Donc, bah, de fait, t'as pas les rentrées forcément financières que tu peux avoir à Hearts, qui a une fanbase beaucoup plus importante. Donc, de fait, ils sont en négociation, je crois, avec un ancien patron de Netflix pour revendre le club et faire donc comme Portsmouth, passer d'un club qui est détenu par les fans à un club qui sera détenu par un actionnaire, avec peut-être en effet les fans en minoritaire. Et on remarque qu'il y a une certaine lassitude aussi chez certains fans, s'attendent à ce que ce soit facile et tout. À un moment donné, quand tu mets vraiment les mains dans le cambouis dans la direction d'un club, tu te rends compte que les réalités et les perspectives, en fait, sont différentes. Maintenant, on le voit très clair, parce que l'Écosse, c'est des budgets de 4ème division anglaise, financièrement, c'est possible. Parce que aujourd'hui, un fan, même s'il se regroupe avec tous ses amis, avec tous les groupes, etc., il faut énormément d'argent pour acheter un club. Et pourquoi en Écosse ça a pu marcher? C'est que financièrement, c'est encore un petit peu accessible. Et Hearts, c'est même surprenant parce que ça reste un club qui est habitué à faire des petits tours en Coupe d'Europe et tout, qui a des ambitions. Pour les autres, c'est strictement impossible. Celtic, Rangers, alors certes, ils ont des actionnaires minoritaires chez les fans, je crois à 10% vis-à-vis des Rangers. Et si on regarde en Angleterre, les très gros clubs, bah les fans ne sont pas là. Par contre, des fans ont créé des clubs en protestation vis-à-vis de la gestion actuelle. C'était le cas de l'AFC Liverpool, alors je sais, il n'est pas tellement connu. C'est un club qui s'était monté avec un logo quand même assez bizarre en opposition à la politique tarifaire de Anfield. Et puis, vous avez évidemment les deux plus fameux, l'AFC Wimbledon à Londres et surtout l'AFC United of Manchester en opposition à la gestion des Glazers à United. Donc ça, c'est un peu le contexte anglo-écossais qui influence énormément le reste de l'Europe. Parce qu'attention, vous êtes des exemples à travers le monde, hein, je rappelle, de fans qui sont dans le bord, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, en Colombie, que ce soit en Grèce, à Chypre, enfin bref, en Autriche, en Allemagne, enfin bref. Maintenant, dans la sphère francophone, qu'est-ce qu'on a? Parce que souvent, ça a été un peu une idée de dire « Ah, on n'est pas des pays de football ». Non, déjà, c'est pas vrai. Ça dépend des coins. On va pas me dire que quand tu as un pays, je pourrais parler aussi de la Belgique, hein, parce que la Belgique, c'est un véritable pays de football aussi. Mais en France, quand tu as des Lens, Saint-Etienne, Nantes, Strasbourg, Metz, Nancy, je les mets tous, hein, je sais que vous êtes rivaux, mais ce sont quand même des beaux clubs. Je peux vous parler du Sud. Il y a tellement de bastions footballistiques que quand même, tu as des régions foot, faut arrêter maintenant à ce niveau-là. Par contre, on a peut-être une perspective différente. Mais je le répète, depuis des années, on a vu cette idée de mouvements sociaux. Sauf que je le répète, financièrement, aujourd'hui, les clubs, faut plus être millionnaire, faut seulement être milliardaire. Ou fonds d'investissement, c'est-à-dire c'est pas mon argent, on me le fait prêter, et donc je peux mettre en danger mon club. Donc c'est très compliqué, c'est pour ça que Bastia, c'était encore possible. Un club, j'ai presque envie de dire, à taille humaine, d'ailleurs on le voit dans les bilans financiers du SCB, à 20% détenu par ses actionnaires. Sochaux, donc il y a eu cette initiative. Là aujourd'hui on a Rouen, hein, qui est peut-être malheureusement sur le point de couler, voir la dernière vidéo. On a Nîmes aussi où ça se mobilise également, et donc ce sont des initiatives absolument magnifiques à soutenir. Je pense que je dois en oublier d'autres en division inférieure parce qu'il y en a. Mais on sait que beaucoup de fans ont un peu cette vision de dire ok, il faut un mouvement participatif, mais ceci est toute la grande question. Est-ce qu'on va dans le modèle Bastia quelque part avec des actionnaires où les supporters peuvent être minoritaires à ce niveau-là, c'est-à-dire ça ne nécessite pas une énorme force non plus, chacun met un petit peu, qu'est-ce qu'on a, parce que maintenant les supporters ont leur droit de regard, un petit peu au conseil d'administration, etc. Est-ce qu'on va tendre un peu vers ce modèle-là, qui est un modèle sur le papier qui paraît plutôt sain, ou au contraire on se dit, ok, on va faire peut-être un modèle à la Heart of Midlothian écossais, c'est-à-dire les fans propriétaires en majorité, ce qui va nécessiter un plus gros effort financier. C'est quelque chose que tu peux faire potentiellement quand ton club se casse la gueule. Exemple, si Bordeaux, enfin, essaye de laver tout ce qui s'est passé ces dernières années, est-ce que ce serait pas intelligent? Je lance juste comme ça, si un jour Bordeaux tombe, est-ce que c'est pas à ce moment-là, au lieu de le laisser encore à n'importe quel opportuniste qui attend que le club perde tout et que le récupère pour un euro, est-ce que ce serait pas à ce moment-là que Bordeaux, un club historique français, puisse justement avoir ce modèle? Ça c'est une véritable question et une réflexion à avoir. Ce que je veux dire c'est que c'est magnifique ces mouvements-là, ils doivent s'accompagner également au niveau politique, mais on remarque que les gens qui en ont réellement quelque chose à faire, ce sont les supporters. Souvent, les investisseurs de dernière minute, ok, c'est un côté businessman, les politiques, ils vont attendre le dernier moment. Il y a quand même beaucoup de fans à travers la France, à travers la Belgique, à travers la Suisse, qui des fois sonnent l'alarme auparavant. Alors, c'est vrai, ça dépend des fanbases. Là, quand on parle de la Suisse, quand on parle de la Belgique, ce sont des sommes encore plus petites pour détenir les clubs. Sauf que souvent, les clubs professionnels, ils sont en première div, très peu sont en deuxième division, et tu n'as pas forcément un bassin de fans suffisant pour avoir les sommes nécessaires pour inscrire ton équipe dans ces championnats-là. Alors, en Belgique, c'est quand même un peu différent. On va voir ce qui va se passer au standard avec 777. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas une possibilité d'un modèle un peu plus sain en Belgique. Certains clubs, en plus, l'ont montré. Le football belge étant quand même moins gangréné qu'il y a une dizaine d'années.
Donc c'est pour ça que cette vidéo me paraît importante, c'est d'écouter les réflexions de tout le monde. Je sais qu'il y a des projets, des orientations qui se montent et tout, mais là c'est plus que jamais d'actualité, principalement en division inférieure, pour des questions économiques. Après, comme je vous dis, c'est la question. On a vu que chez certains groupes de fans, il y a une certaine lassitude, finalement ils ont revendu leur part quelques années plus tard. Donc il n'y a pas de solution parfaite, ça dépend de la vocation des gens, en ayant conscience d'une seule chose. Il y a le fait d'être le fan qui paye sa place, qui supporte son club, etc. Puis des fois, tu as l'autre fan, celui qui a un autre costume, celui qui a une autre pression, celui du businessman. Qu'il le veuille ou non, à un moment donné, un club de foot, c'est aussi une entreprise. Tu as le destin et la destinée, non seulement de tous les fans qui aiment et qui chérissent ce club-là, mais aussi de personnes qui ont un salaire grâce à ce club-là et qui ont une famille à nourrir. Enfin, c'est complètement différent, les perspectives sont différentes, mais n'empêche qu'on peut toujours garder cet amour absolument incandescent. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Bonne chance à toutes ces organisations. N'hésitez pas en commentaire à noter parce que je dois en oublier plein d'autres exemples qui peuvent marcher et tout. Ceux qui connaissent bien le modèle allemand, le modèle espagnol, n'hésitez également pas parce que c'est au final, en regardant un peu tout ce qui se fait là, qu'on peut peut-être justement créer un modèle un peu différent, adapté aux réalités de nos championnats francophones, que ce soit le Canada, la Belgique, la Suisse, le Maghreb et évidemment la France. Keep the faith!